C'est le moment des questions orales. La parole est à la chef de l'opposition officielle. Merci, Monsieur le Président. Ma première question s'adresse au Premier ministre. Aujourd'hui, les élèves, les enseignants, les familles à l'échelle de la province descendent dans les rues pour manifester contre les attaques du Premier ministre, contre l'éducation et contre ses coupes en salle de classe. Il a créé une crise en éducation avec ses coupes irresponsables et il ne dit rien alors que les écoles sont fermées. Le Premier ministre va-t-il sortir de son mutisme et va-t-il expliquer ce qu'il a l'intention de faire pour mettre un terme à cette grève? La question a été renvoyée au ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, je suis très heureux de confirmer que nous avons conclu un autre accord avec les travailleurs en éducation, l'Alliance des travailleurs en éducation, ce qui offre de la prévisibilité aux parents, quelque chose qu'ils méritent. Nous avons travaillé de manière constructive, nous avons conclu un accord volontaire et nous l'avons réalisé en nous concentrant sur les intérêts des élèves et en négociant de bonne foi. Nous espérons pouvoir le faire avec la Fédération des enseignants du secondaire et nous espérons qu'ils accepteront la médiation privée sans condition préalable. Question complémentaire. À l'échelle de la province, on voit les dégâts causés par les coupes du gouvernement Ford. 106 millions de dollars ont été éliminés du conseil scolaire de Toronto, ce qui entraîne l'annulation de 300 cours et pourrait entraîner la perte de 1100 enseignants. Le ministre de l'Éducation veut que les gens soient raisonnables. Le Premier ministre a promis qu'aucun enseignant ne perdra son emploi. Donc, est-ce que c'est raisonnable de mettre à pied 10 000 enseignants? Le ministre de l'Éducation, c'est déraisonnable que la Fédération dise aux parents que la grève continuera si elles reçoivent pas cette augmentation de 750 millions de dollars. 750 millions de dollars pourraient nous permettre d'engager plus de 700 travailleurs en santé mentale. Nous pourrions construire 28 nouvelles écoles secondaires. Le gouvernement veut investir dans les élèves et la Fédération secondaire a une revendication de 750 millions de dollars. Et si on ne respecte pas cette revendication du deuxième groupe le plus payé du pays, que la grève se poursuivra. D'après moi, c'est inacceptable. Nous allons continuer de nous concentrer sur les élèves. Complémentaire final. Peut-être vous pourriez protéger le réseau scolaire public plutôt de faire en sorte que des groupes de la fonction publique s'opposent les uns aux autres. À Brantford, les coupures signifient 56 enseignants de moins, 40 cours ont été éliminés cette année. Et ce n'est pas raisonnable d'après les élèves qui ne sont pas en salle de classe, ni pour les enseignants. Pourquoi le Premier ministre pense-t-il que c'est raisonnable d'obliger les élèves d'accepter ces coupes? Et pourquoi est-ce qu'il croit que c'est acceptable de créer un conflit entre différents groupes de la fonction publique? La réponse du ministre. Monsieur le Président, nous voulons que les élèves demeurent en salle de classe. Nous venons de négocier un accord avec l'Alliance des travailleurs en éducation, ce qui met en évidence notre capacité de conclure des accords. Je dois préciser, ce sont nos amis. Et en fait, nous devrions bien rémunérer ces personnes pour que nous ayons de bons enseignants. Mais ce qui n'est pas acceptable pour les contribuables, c'est que cette grève se poursuit, que les enfants ne sont pas en salle de classe en raison de cette augmentation demandée de 750 millions de dollars. On a 12% d'enseignants de plus et 1% d'élèves de moins. On a 2100 enseignants de plus. C'est l'augmentation la plus importante du nombre d'enseignants depuis une décennie. Nous allons continuer d'investir dans nos éducateurs et dans nos élèves. Question suivante, la chef de l'opposition. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse également au Premier ministre. Mais avant de la poser,
J'aimerais, au nom de mon groupe parlementaire, remercier Susan Swift de son excellente carrière ici à l'Assemblée législative. Personne ne croit le gouvernement Ford lorsqu'il dit qu'il défend l'éducation. Les parents, durant les consultations, ont dit au gouvernement qu'ils ne voulaient pas ces coupures. Et les enseignants, à la table des négociations, ont dit que ces compressions budgétaires seraient au détriment des élèves. Des milliers d'élèves ont manifesté contre ces coupes. Et le Premier ministre doit leur donner une réponse. Pourquoi il les a ignorés? Le ministre de l'Éducation. Nous sommes à l'écoute de tous les parents de cette province. Et voilà pourquoi, sous le Premier ministre, le gouvernement investit 1,2 milliard de dollars de plus cette année par rapport à l'année dernière pour appuyer l'éducation publique dans les conseils scolaires anglophones, francophones, dans tous les quatre coins de la province. Il y a plus d'investissements en salles de classe. Mais il y a certains acteurs à la table de négociation qui demandent à ce que la rémunération soit augmentée, mais la priorité du gouvernement, c'est d'être équitable et d'augmenter la rémunération de 750 millions de dollars. C'est une offre raisonnable. Mais certaines aimeraient que ce chiffre soit doublé. Et donc, c'est équitable pour ce qui est des intérêts des contribuables d'offrir 750 millions de dollars. Et c'est également équitable à ce qu'on investisse dans les domaines STEAM et dans les élèves de la province pour qu'ils puissent atteindre leur plein potentiel. Question complémentaire. Encore une fois, au Premier ministre, j'aimerais bien avoir une réponse. Ces coupes en éducation nuisent aux communautés à l'échelle de la province. Les familles du conseil scolaire de Prince Edward Hastings se battent contre les réductions budgétaires du gouvernement conservateur qui pourraient entraîner la mise à pied de 73 enseignants à Grand Erie. Les réductions budgétaires ont entraîné la perte de 98 cours et ça pourrait être 900 cours de moins d'ici quelques ans. Comment le Premier ministre et le gouvernement peuvent dire à ces familles que cette attaque contre l'avenir de leurs enfants est raisonnable? Le ministre de l'Éducation, ce gouvernement progressiste conservateur investit plus dans l'éducation que tout autre gouvernement dans l'histoire de cette province. Nous investissons 1,2 milliard de dollars de plus par rapport à l'année dernière. Nous investissons 24 milliards de dollars dans les conseils scolaires à l'échelle de la province. Nous avons doublé le financement de la santé mentale. Nous dépensons 3 milliards de dollars en éducation spéciale. Nous valorisons tous les élèves, peu importe leur capacité. Nous avons une stratégie pour améliorer les résultats mathématiques après des années de négligence de la part du gouvernement libéral. Donc, de toute évidence, nous nous intéressons à investir dans les élèves plutôt que dans la rémunération. Complémentaire final. Personne dans l'éducation, que ce soit les parents, les élèves ou les enseignants, ne croit un seul mot du ministre. Et ils sont en désaccord de sa description des coupes du gouvernement. Le gouvernement a précisé que ce n'est pas une question des intérêts des élèves. Si c'était le cas, le Premier ministre ne les obligerait pas à suivre des cours en ligne dysfonctionnels. Le gouvernement se concentre sur une chose, c'est-à-dire des coupes en salle de classe. Mais il n'en accepte pas sa responsabilité. Les enseignants, les élèves, les parents ont été très clairs. Annuler les coupes. Arrêter d'attaquer les familles et permettez aux élèves et aux enseignants de retourner en salle de classe. Le Premier ministre le fera-t-il? Rassez-vous, s'il vous plaît. Le ministre de l'Éducation. Mon message à la Fédération secondaire, annulez la grève qui nuit inutilement aux élèves. Le gouvernement investit plus dans l'éducation publique que tout autre gouvernement dans l'histoire de notre province. Hier, j'ai annoncé que nous travaillons de bonne foi pour conclure des accords pour que les élèves puissent demeurer en salle de classe. Nous avons conclu un accord avec l'Alliance des travailleurs en éducation. Ce sont des progrès pour les familles. Les familles ne devraient pas être touchées par ce débat. Je comprends les points de vue des deux côtés, mais les élèves ne devraient pas payer la note pour les divergences d'avis à la table. Cette revendication de 750 millions de dollars est déraisonnable et nous allons continuer de défendre les intérêts des élèves.
Question suivante, le député de M. York James Bay. Ma question est pour le premier ministre. Le nombre d'élèves inscrits dans les écoles francophones en Ontario est en croissance. Et avec la réduction du nombre d'enseignants dans les écoles, nous savons qu'il y aura de moins en moins d'adultes disponibles pour aider nos enfants à réussir. On manque déjà d'enseignants. On manque de suppléants et d'éducateurs. Et votre gouvernement veut encore couper des centaines de postes dans les écoles. Et on sait aussi que cette pénurie aura un effet papillon dans le système d'éducation francophone. Les francophones ont reçu déjà plusieurs attaques de votre gouvernement. Alors pourquoi vous acharnez à attaquer notre éducation? Au premier ministre, le ministre de l'Éducation. Merci. Monsieur le Président, je veux que ça soit clair. Notre gouvernement investit davantage dans l'éducation en langue française. Il y a 16 millions de plus, comme on a dit dans le budget des comptes publics. C'est un engagement à la dualité linguistique de la province. Nous sommes fiers, et moi je suis fier, de travailler avec la ministre des Affaires francophones pour assurer que les éducateurs en langue française puissent être retenus. On travaille avec les intervenants dans le secteur pour assurer qu'on puisse avoir accès à des éducateurs de grande qualité. Avec nos partenaires francophones en Ontario, we believe in this partnership, we believe in our... On croit dans ce partenariat, dans nos élèves, et nous, vous avons un plan pour avoir des enseignants francophones dans la province et en investissant plus que tout autre gouvernement. Question complémentaire. Dans notre système, avec avoir moins d'envois de professeurs quand on a des écoles qui grandissent, M. le Président. Encore au premier ministre, hier, le ministre de l'Éducation a dit que votre gouvernement est tout à fait raisonnable lors des négociations. Pourtant, il y a seulement quelques jours, nous avons appris que les parents rejettent massivement la hausse de nombre d'élèves par classe. Alors, le ministre n'a pas écouté ni les parents, n'écoute pas les élèves et n'est certainement pas à l'écoute des enseignants. Monsieur le Président, le ministre est si raisonnable, alors pourquoi des milliers de parents et d'enseignants sont dehors aujourd'hui pour défendre l'éducation publique en Ontario? Le ministre. Le fait que ce gouvernement investit plus dans l'éducation, nous apprécions cela. C'est un phénomène qui a été utilisé d'abord. On travaille avec l'Ordre des enseignants, la faculté d'éducation, la ministre des collèges et universités pour avoir d'enseignants futurs pour qu'ils travaillent dans la classe. Dans le contexte de nos investissements en éducation, on investit 200 millions de dollars dans l'éducation publique pour appuyer l'éducation en langue française et en langue anglaise. On va continuer à cibler nos élèves, à investir davantage dans leur avenir et on va lutter pour qu'ils restent en salle de classe. Merci beaucoup. Question suivante, le député de Scarborough-Rouge-Parc. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, nous savons que l'Ontario, on a une relation très forte avec le voisin du Sud. On ne peut pas trop dire en Ontario. Si l'Ontario était un pays, nous serions le troisième partenaire commercial avec les États-Unis. 301 milliards de dollars américains en commerce avec là. Nous sommes le premier client pour 19 États américains et le deuxième pour 9 autres. Notre gouvernement a un plan qui fonctionne. On démontre au monde que l'Ontario est ouvert aux affaires encore une fois. Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous pouvez dire à l'Assemblée législative plus sur la croissance économique que l'Ontario, le rôle important que l'Ontario a en Amérique du Nord et pourquoi vous êtes allé en Maryland? Le Premier ministre, merci. Je veux remercier le député de Scarborough-Rouge-Parc. Il fait un travail incroyable. J'ai vu qu'il était à la chanson de Noël à St. Dunstan et à l'église Canterbury. Je veux souhaiter à tout le monde un joyeux Noël là, dans le quartier. Depuis 16 mois, j'ai parlé à plus de 26 gouverneurs en personne. J'ai rencontré tous les gouverneurs pour bâtir une relation et je peux vous dire, le message est très clair. L'Ontario est ouvert pour les affaires et on veut créer des emplois et nous faisons l'envie d'Amérique du Nord. Nous menons en croissance économique partout en Amérique du Nord.
Avant d'être élu, on a perdu 300 000 emplois dans le secteur manufacturier parce que les néo-démocrates et les libéraux. Maintenant que nous sommes élus, il y a 271 000 personnes, 400 qui travaillent. Question complémentaire? Merci, Monsieur le Premier ministre, pour cette réponse et pour votre leadership très fort sur ce front. En vue de bonnes nouvelles et des statistiques associées avec dans notre partenariat avec les États-Unis, les dispositions d'achat américain est encore une préoccupation. Je sais que notre gouvernement a rendu une priorité en partenariat avec le fédéral de défendre des exemptions pour l'Ontario. Comme le Premier ministre fédéral a noté pendant la réunion récente, l'Ontario joue un rôle important dans la promotion des intérêts commerciaux aux États-Unis et pour l'intérêt de toutes les provinces. Est-ce que, Monsieur le Premier ministre, vous pouvez nous dire comment on renforce les partenariats de notre province avec nos homologues américains sous votre leadership? Le Premier ministre, je veux remercier le député de cette question. J'ai eu l'occasion d'aller à Maryland et à Washington la semaine dernière et de m'asseoir avec le président de l'Association des gouverneurs, le gouverneur Hogan. Il est un champion. Il est appelé Likeable Harry et je sais maintenant pourquoi on l'appelle quelqu'un qui est très apprécié. Pour la première fois, les gouverneurs des États-Unis d'Amérique viennent en Ontario. Pourquoi? Parce que, comme le député l'a mentionné, nous sommes le partenaire commercial pour 19 États, numéro 2 pour 9 autres. On fait des milliards de dollars, 391 milliards de dollars de commerce. Nous avons une forte relation. On a la frontière non protégée la plus longue au monde. Et il faut maintenir ces relations et continuer à avoir une croissance. C'est pourquoi j'ai hâte de voir les gouverneurs ici en février. Merci beaucoup. Question suivante, le député d'Essex. Merci. En m'adressant au Premier ministre, pendant la semaine, le Premier ministre a refusé de répondre à mes questions. Quant à poste de patronage qu'il a nommé à Dallas et à Chicago. Hier, on a appris que les deux nominations à Dallas et à Chicago n'ont pas établi leur bureau après 6 mois en poste. Vu qu'après que le Premier ministre ait créé ses postes de patronage, et on se demande pourquoi le Premier ministre donne ce bon travail à ses amis. Pourquoi est-ce que le Premier ministre refuse de parler de ses amis qu'il a envoyés à Dallas et à Chicago? Le ministre du Développement économique, la création d'emplois et du commerce. On parle des agents généraux à Dallas et à Chicago. Ils ont travaillé par un processus de sécurité complet parce que leur bureau existe au sein du gouvernement fédéral dans le bureau du consul général. C'est le processus général qui a été utilisé pour tous les agents généraux. Ces agents généraux envoient un message partout aux États-Unis que l'Ontario est ouvert pour les affaires, est ouvert au commerce. Nous prenons 5 milliards de dollars des coûts de faire des affaires en Ontario. C'est le message qu'ils livrent, qu'on a réduit les primes d'assassinat de moins de 2 milliards de dollars. On n'a pas la taxe libérale de 308 millions de dollars, ce qu'on a fait pour réduire le coût aux entreprises. Ça a créé 671,600 emplois dans la province de l'Ontario. Question complète. Complémentaire. Le silence du Premier ministre est éloquent. Il ne faut pas parler des emplois qu'il donne à ses amis. Quand on a vérifié l'annonce du 20 juin des postes, le Premier ministre avait changé et il a pris toute même mention des amis de Dean French et des gens qu'il connaissait par le sport de la crosse. Pourquoi est-ce qu'il a demandé à son bureau de changer le communiqué de presse original sans faire trop de bruit? Le ministre du Développement économique, la création d'emplois et du commerce. Nos agents généraux travaillent
là dans le marché ici en Ontario quand ils passent par ce processus et seront dans le marché dans l'avenir proche. Ils vont continuer ces messages, être ouverts aux affaires et au commerce. Et il y a deux choses qui ont passé, des projets, lois qui ont été adoptées, qui donnent plus d'outils pour des entreprises dans le nord de l'Ontario. Ne paient pas la taxe du carburant d'aviation de 0,8%, de 8% plutôt, ça a été réduit à 2,7%. Les impositions fiscales pour les petites entreprises ont été réduites et les néo-démocrates ont voté contre cette mesure. Un paiement de 90 millions de dollars pour donner des services dentaires pour les aînés. Qui fait ça, Monsieur le Président? Question suivante. Le député de Lanark-Frontenac-Kingston. Merci, Monsieur le Président. Au ministre de l'Énergie. Pendant la campagne 2018, les progressistes conservateurs et moi, on a donné la promesse de réduire l'électricité de 12%. En novembre, la Commission de l'énergie de l'Ontario a dit qu'il y aurait une augmentation, a autorisé une augmentation pour Hydro One. Et cela est en conflit avec le mandat donné à ce parti par la population de l'Ontario. Encore une fois, dans beaucoup de résidents et des PME contactent mon bureau de circonscription parce que ça va toucher, leur poser des problèmes. Au ministre, en tant qu'actionnaire principal de Hydro One Networks, pourquoi vous laissez qu'Hydro One agisse d'une manière qui frustre et qui fait l'obstruction à votre mandat et qui fait une moquerie de votre engagement à réduire? Le ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines. Merci. Il n'y a pas de question qu'on a hérité d'un gâchis et les mesures depuis un an et demi qu'on a pris, c'est un testament de notre engagement à réduire des coûts à l'échelle de tout le réseau, de travailler plus efficacement et il y a des services publics et que les contribuables, les usagers et, sont investis. Par la suite, on aura le type de partenariat avec Hydro One, OPG et nos sociétés locales de distribution qui ciblent la réduction des coûts du système afin qu'on puisse aider les usagers après avoir construit le système le plus complexe partout au continent. Merci. Question complémentaire? Encore une fois, au ministre de l'Énergie, le gouvernement a fait un engagement de faire une expansion du service Internet à bande large. Nous savons que l'obstacle à cette expansion, c'est l'incertitude et le processus d'approbation qui est très long d'attacher les câbles de fibre optique au poteau d'Hydro One. Et ils ont donné un engagement qu'ils allaient réduire après que je les ai contactés et qu'ils seraient un partenaire dans l'expansion de ces services à bande large. Mais l'engagement d'Hydro One semble être vide. Depuis plus d'un an, Hydro One et la COO font des obstructions au mandat du gouvernement. Ma question au ministre, quand est-ce que le ministre va demander à Hydro One de réduire les formalités administratives pour faciliter l'expansion de la bande large dans l'Ontario rural? Le ministre, il n'y a pas longtemps que ce député votait pour toutes les mesures importantes sur cette discussion. Des discussions ont eu avec Hydro One et on fait des investissements historiques pour la bande large ici, dans l'Ontario rural et dans l'Ontario du Nord en particulier, pour que les gens puissent avoir le service qu'ils s'attendent à avoir et que d'autres gens ailleurs ont eu. Par la suite, je peux assurer le député d'en face que cette décision du passé, que la Commission de l'énergie de l'Ontario sera renouvelée et que ces types de décisions qui touchent notre possibilité d'avancer avec la bande large seront enlevées. Merci. Le député d'York Centre.
Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre à la ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs. Je veux remercier la famille Bobcat d'être là et je vais exprimer la sympathie, les condoléances du gouvernement les plus profondes pour votre père. On a reconnu que c'était une situation très difficile dans votre vie et rendue encore plus difficile par un processus juridique très long. Monsieur le Président, est-ce que la ministre peut dire en chambre le courage de la famille Babcock de soulever leurs problèmes avec notre gouvernement? La ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs. Merci, je remercie le député d'York Centre de cette question très sensible et très importante. Et je veux donner l'appréciation à la famille Babcock de leur défense dans une question très importante. Quand on est famille est en deuil, on ne devrait jamais avoir une situation où la bureaucratie du gouvernement est un obstacle. Dans la plupart du cas, pour inscrire un décès, on a besoin d'un certificat par un médecin, une infirmière praticienne ou un autre professionnel de santé. Malheureusement, dans le cas de Laura Babcock, ce n'était pas possible. Et la famille Babcock l'a soulevé auprès du ministère. Et c'est pourquoi mon ministère, le procureur général et le premier ministre a essayé d'avoir des moyens comme l'inscription d'un décès soit moins compliquée. On a une obligation, nous tous dans cette chambre, d'entendre les préoccupations des Ontariens et Ontariennes et faire ce qui s'impose. Et je suis contente de dire que le premier ministre et le député de Tobacco Centre a visité la famille de Laura et a livré le certificat de décès de Laura. Merci. Question complémentaire? Merci, Monsieur le Président. La situation que la famille Babcock a souffert brise le cœur de tout le monde et le processus juridique a rendu les choses encore pires. Est-ce que la ministre peut dire des mesures que le gouvernement a prises pour qu'aucune autre famille soit obligée de souffrir autant par ce processus juridique et qu'il puisse veiller aux besoins de la famille? Réponse la ministre au procureur général. Merci, Monsieur le Président. Et je veux donner mon remerciement le plus profond à la famille qui a soulevé cette question au gouvernement d'être là avec nous aujourd'hui. Plus tôt cette semaine, on a annoncé la loi sur les données vitales pour que le fardeau pour les familles qui inscrivent un décès d'un proche quand il n'y a pas une dépouille qui est retrouvée. C'est la loi de Laura en hommage à Laura Babcock. On va avoir des changements pour que l'inscription d'un décès soit plus facile et que les familles aient le soutien nécessaire. La loi de Laura va assurer que dans l'avenir, le processus d'inscription d'un décès ne soit pas aussi difficile. Je veux remercier la députée de Tobacco Centre pour son aide et le premier ministre et ma collègue, la ministre des services gouvernementaux et des services aux consommateurs. Merci beaucoup. Question suivante, le député de Kwinana. Bonjour, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Le 27 novembre, Caroline Bunting s'est enlevée la vie dans la collectivité de Première Nation de Constance Lake. Elle avait 15 ans. Le 28 novembre, Rydell McKinnock s'est suicidé dans la Première Nation Webequay. Il avait 12 ans. Monsieur le Premier ministre, ces jeunes qui sont décédés, pourquoi? Parce qu'ils ont perdu l'espoir. Ils ont perdu l'espoir en nous qu'on réponde aux besoins de leur collectivité. Je parle du manque de l'eau potable propre, le manque de logements sécuritaires dans nos collectivités, de l'infrastructure des écoles sécuritaires. Monsieur le Premier ministre, je vous demande, qu'êtes-vous préparé à faire pour donner de l'espoir à ces jeunes? La question est adressée au Premier ministre, le ministre des Affaires autochtones. Merci, Monsieur le Président. Je veux remercier l'honorable député de sa question quant au décès malheureux de ces deux jeunes. L'unité du bien-être autochtone a essayé de répondre à ces situations qui sont très difficiles et on va continuer à mobiliser les ressources et le soutien à la nation Anishinaabe pour avoir aidé dans ces cas.
Nos pensées et nos prières sont avec cette collectivité. Je peux assurer l'honorable député qu'on va redoubler d'efforts dorénavant pour assurer que les jeunes dans ces communautés autochtones aient l'espoir et l'occasion de penser à la prospérité économique pour des corridors qui vont ouvrir leur collectivité à de nouveaux emplois et à des avantages sociaux et de santé qui viennent avec ces bons investissements dans leur collectivité. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, on a besoin de plus que des pensées et des prières. Il y a beaucoup de suicides chez les jeunes dans nos collectivités. C'est un problème à long terme. La colonisation et ses effets continuent contribuent à la crise du suicide. La négligence des gouvernements coloniaux tels que celui-ci signifie que les jeunes autochtones tombent entre les mailles du filet comme Gary Lynn et Devon Freeman, qui se sont suicidés mais n'ont pas été trouvés pendant sept mois. Il y a une crise et il y a des approches qui devraient être utilisées pour agir ne reflètent pas les besoins uniques de notre communauté. Monsieur le Premier ministre, il faut qu'il y ait des ressources dédiées et une stratégie spécialisée pour s'attaquer au suicide chez les jeunes autochtones en Ontario. Est-ce que le gouvernement prendra cet engagement aujourd'hui? Que les députés se rassoient. Au ministre, encore une fois, je remercie le député de sa question. J'aimerais l'assurer que beaucoup de travail est en cours. Nous avons des points de repère établis pour la réussite en diminuant la fréquence au sein des circonscriptions, des communautés plutôt, en ayant des services complets pour les adolescents dans leurs écoles, dans leurs communautés, par exemple à Pécanjikoum, où nous avons fait beaucoup de progrès. Nous sommes coordonnés avec plusieurs ministères pour nous assurer qu'ils soient présents dans ces communautés pour offrir des programmes de l'aide. Et traiter les jeunes qui sont en crise. À l'avenir, il faut parler des possibilités économiques de ces communautés, les ouvrir afin que les gens aient une chance d'avoir de bons emplois et d'avoir le genre d'espoir et de prospérité économique qui sont disponibles à l'échelle de la province. Député de Northumberland, Peterborough Sud. Merci. Au ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce, plus tôt cette semaine, vous avez parlé de la croissance des chiffres de l'emploi en Ontario. En fait, depuis juin 2018, plus de 271 000 emplois ont été créés dans la province en raison des gestes posés par notre gouvernement pour assurer la compétitivité de notre province, de s'assurer qu'elle soit ouverte à la création d'emplois et aux affaires. Un bon potentiel est essentiel pour la province. Plus d'investissements étrangers directs aidera dans l'emploi et la prospérité pour tous les Ontariens et Ontariennes. Est-ce que le ministre peut nous dire ce que fait notre gouvernement afin de rétablir la compétitivité de l'Ontario, diminuer le coût des affaires dans la province? Ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce. Merci aux députés de Northumberland, Peterborough Sud. Notre gouvernement s'engage absolument à créer et protéger les bons emplois dans la province. Comme je l'ai dit plus tôt, nous avons diminué de 5 milliards de dollars le coût de faire des affaires ici en Ontario. Le gouvernement précédent fait en sorte que l'Ontario était le territoire de compétence le plus dispendieux en Amérique du Nord où avoir une entreprise. Nous avons diminué les primes de la CESPAT, premièrement transmises de 30 % l'an dernier et de 17 % cette année, c'est 2,2 milliards de dollars que nous avons réduits. Nous avons mis en place un crédit d'impôt pour aider les centres de création d'emplois.
Nous allons diminuer le coût du fardeau administratif de 400 millions aussi. Et voilà ce qui nous a aidé à créer 271 600 emplois. Je remercie le ministre pour sa réponse et de nous avoir confirmé que notre plan fonctionne, que les créateurs d'emplois veulent investir en Ontario et faire croître leur entreprise ici. Encore une fois au ministre, le développement économique régional est important pour faire croître l'économie et renforcer les PME. C'est essentiel pour les communautés rurales telles que la mienne, qui ont été ignorées du gouvernement précédent. Vous avez certainement entendu vos commettants dire la même chose puisque vous avez aussi une circonscription du Nord. Que faisons-nous pour aider le développement économique régional dans le Nord et dans d'autres communautés rurales telles que la mienne? Le ministre, nous savons que dans le nord de l'Ontario et dans l'Ontario rural, il y a des défis uniques et c'est la raison pour laquelle nous avons des solutions uniques. Le crédit d'impôt aux PME aidera les entreprises. Les PME, ça aide une diminution de 8,7 %. Le crédit d'impôt sur le carburant aviation qui diminue à 2,7 cents le prix de l'essence du carburant aviation dans le Nord. Debbie coupe mes cheveux à tous les deux vendredis et ça l'aidera certainement. Et lorsque je pense à la diminution du fardeau administratif, je pense à Kewan Mani qui est propriétaire de Happy Jacks. Ça diminuera son coût de son entreprise. On diminuera les frais pour le camionnage, l'industrie minière. Et c'est quelque chose qui a été opposé par l'opposition. Ils étaient contre le crédit d'impôt au carburant aviation. Ils ont voté contre l'aide à nos PME. Prochaine question, député de Brampton-Nord. Merci. J'aimerais aussi remercier le député de Kiwetinu pour sa question et ses inquiétudes en ce qui a trait les suicides dans sa communauté. Au ministre de l'Éducation, les membres de Peel s'inquiètent que ce gouvernement ne comprenne pas ce qui est nécessaire pour s'attaquer à l'antiracisme dans nos écoles. Ils ont critiqué le ministre de ne pas avoir engagé d'examinateurs noirs et maintenant les gens qui sont là pour faire de la communication avec les communautés ne sont pas noirs non plus. Les défenseurs, les gens qui sont contre le racisme contre les Noirs n'en reviennent pas. Est-ce que le ministre peut nous dire la raison pour laquelle il croit qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des membres du personnel noir qui aident, en fait, les étudiants noirs qui font face à du racisme? Le ministre. Je remercie le député de l'autre côté pour sa question. J'ai communiqué avec les gens de Peel après avoir pris ma décision de nommer des examinateurs. On envoie des examinateurs où il y a eu des plaintes des parents et des familles. Toute forme de discrimination est inacceptable et c'est la raison pour laquelle nous avons agi rapidement. Patrick Case, le sous-ministre à mon ministère, mène la charge sur cette étude. Il travaille auprès de la communauté noire. Il est un avocat en droit de la personne et il apporte son expérience comme étant quelqu'un qui se bat pour l'équité dans nos écoles. Nous lui faisons confiance pour mener la charge afin qu'il nous donne des recommandations pour changer la culture à l'intérieur des écoles. Complémentaire. Député de Toronto-Saint-Paul, j'aimerais dire que Patrick Case est un incroyable dirigeant. C'est un leader dans notre communauté, mais il n'est pas indépendant. Il y a un racisme au ministre de l'Éducation. Le ministre doit comprendre les bases. Les examinateurs noirs doivent être à la table et le personnel de communication noir doit aussi être présent et ils doivent être disponibles pour rencontrer les élèves et les parents qui font face à du racisme. Les élèves ne devraient pas être confus à savoir là où ils doivent s'inscrire.
Présentement, le processus est opaque, tout particulièrement avec des délais très rapides. Comment est-ce qu'on peut faire confiance au fait que l'examen du ministre de l'Éducation reflète ce que le personnel parent et élèves noirs vivent dans le conseil scolaire alors qu'il ne comprend même pas les bases du problème? Au ministre, je remercie la députée pour sa question. De toute évidence, c'est le but du gouvernement d'assurer l'inclusivité et le respect de tous les élèves. Les allégations au sein du réseau PIRM est arrivée sur mon bureau. Nous avons agi pour nommer des examinateurs. Le fait est que j'ai demandé à Patrick Days, qui sera examinateur, qui participera à tous les examens, de s'assurer d'avoir son expérience à la table et qu'il mène ce processus en lien avec les deux autres examinateurs pour transformer la culture de gouvernance et de prise de décision à Peel afin qu'aucun enfant ne se sente isolé et victime de discrimination. Merci. Prochaine question, député de Thornhill. Merci. Au ministre associé délégué à la santé mentale et à la lutte contre les dépendances, nous nous demandons tous ce que seront les prochaines étapes pour aider les Ontariens à recevoir les services nécessaires pour se battre contre leurs troubles mentaux. Je sais que le ministre travaille avec la vice-première ministre, ministre de la Santé, pour aider les Ontariens à, avoir une meilleure santé mentale. Est-ce que le ministre peut mettre à jour les députés de cette Chambre sur ce à quoi peuvent s'attendre les Ontariens et Ontariennes une fois que notre stratégie sera établie? Ministre associé délégué à la santé mentale et à la lutte contre les dépendances. J'aimerais remercier la députée de Thornhill pour son excellente question. Comme l'a dit la députée, notre gouvernement travaille sans relâche pour s'assurer de créer un système en santé mentale et contre les toxicomanies intégré et complet pour que les Ontariens et Ontariennes obtiennent des services, peu importe là où ils résident. Lorsqu'on pense aux communautés du Nord ou les communautés autochtones ou nos premiers répondants, nous voulons nous assurer que tous les Ontariens aient accès à l'aide dont ils ont besoin lorsqu'ils en ont besoin. Notre stratégie s'assurera que les Ontariens et Ontariennes tout au long de leur vie, pourront trouver l'aide nécessaire pour faire face à leurs défis. Il n'y a pas de solution unique à la santé mentale, et c'est la raison pour laquelle nous travaillerons en collaboration avec les communautés pour bien réussir sur le plan de cette stratégie. Nous voulons nous assurer qu'aucun Ontarien ou Ontarienne ne soit laissé de côté. Complémentaire, j'aimerais remercier le ministre de sa réponse. Je suis fière de voir que notre gouvernement fait de la santé mentale et de la lutte contre les dépendances une priorité. Nous avons une responsabilité partagée pour nous assurer que les Ontariens et Ontariennes aient accès aux services nécessaires pour faire face à leurs troubles. Nous avons mis en place la première étape de notre système. C'est donc rassurant de savoir que l'on met en place une stratégie qui aidera les Ontariens et Ontariennes, peu importe là où ils sont, et les aider avec leurs besoins uniques. Nous devons travailler ensemble pour créer un système de santé mentale et de toxicomanie interrelié. Que fait notre gouvernement pour s'attaquer aux troubles de santé mentale et à la lutte et aux dépendances dans la province? Le ministre. Encore une fois, je remercie la députée de sa question importante. Tout d'abord, je dois souligner l'importance du projet de loi 116. S'il est adopté, nous créerons un centre d'excellence dédié à la santé mentale et à la lutte contre les dépendances. Et s'il est adopté, il permettra aussi la mise en place de notre stratégie. Ce projet de loi propose aussi de nous donner les outils nécessaires afin de tenir responsables les producteurs d'opioïdes ainsi que ceux qui le vendent au détail. Ça nous aidera à reprendre des coûts en santé payés par la province en raison des
maladies, blessures ou conditions médicales qui découlent de l'utilisation d'opioïdes. Nous allons réinvestir ces dollars dans les premières lignes et pendant trop longtemps, les gouvernements précédents n'ont pas agi pour s'attaquer aux troubles de santé mentale et aux dépendances. Et nous faisons quelque chose pour nous y attaquer. La députée de Nickel Belt. Monsieur le Président, ma question est pour le premier ministre. Le 1er janvier, notre gouvernement a fait des compressions à la santé publique et elles entreront en vigueur. Il y a un conseiller avec un salaire à 6 chiffres qui a mené des consultations. Est-ce que le premier ministre peut nous dire la raison pour laquelle le gouvernement continue d'aller de l'avant avec des compressions à la santé publique, même alors qu'il y a des consultations sur l'avenir de la santé publique? À la ministre de la Santé. Merci. Je vous remercie de la question et nous menons des consultations sur la santé publique avec Jim Hine, qui se déplace dans les collectivités de la province pour comprendre leurs besoins, tout en reconnaissant qu'il y a des besoins géographiques différents dans les différentes régions de la province. Les acteurs du milieu sont certainement heureux de la façon dont on va de l'avant. Et en ce qui a trait aux agents de la santé publique, nous serons en mesure de mettre en place les changements sans avoir de conséquences sur les soins de première ligne. Les gens seront encore capables de faire leur travail et le feront sous les circonstances différentes de l'an prochain. Complémentaire. Oui, quand est-ce que ce gouvernement comprendra que de faire des compressions en premier et d'ensuite consulter, ça ne fonctionne pas? Ça n'a pas fonctionné dans les soins de longue durée, ni en éducation, ni avec les enfants qui souffrent d'autisme. Et ça ne fonctionnera pas avec la santé publique et les municipalités qui doivent fournir ces soins. Maintenant, les municipalités font face à des décisions très difficiles. La semaine dernière, le conseil municipal de Chatham-Kent a dit que les compressions à la santé publique et autres services municipaux leur coûtera 2,3 millions de dollars. Ils devront donc être forcés à considérer une augmentation des impôts fonciers. Le conseil de Barrie, lui, a approuvé une augmentation des taxes, des impôts fonciers en raison des compressions. Pourquoi est-ce que le premier ministre transfère ces compressions sur le dos des municipalités? La ministre de la Santé. Il est important de noter qu'il n'y a pas de compression à la santé publique. On modernise nos services, ce qui a été recommandé depuis quelques années par la vérificatrice générale de l'Ontario qui a reconnu qu'il y a souvent un dédoublement de services, qu'il n'y a pas une bonne coordination de services et qu'il y a des situations où c'est très difficile de trouver un agent de santé publique. On modernise donc le système avec l'aide de M. Hine. Avec la santé publique Ottawa, comme vous l'avez souligné, a été en mesure de trouver des économies dans le budget en éliminant des postes vacants et en diminuant les dépenses de publicité ainsi que l'administration interne. Il faut se concentrer sur les enjeux dans chaque région de la province. C'est ce sur quoi on se concentre et on reconnaît que le gouvernement provincial a son rôle à jouer. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place un programme dentaire pour les aînés à revenus faibles. On aidera ainsi les aînés à l'échelle de la province. Prochaine question, député d'Oakville. Merci. Au ministre de l'Énergie, notre gouvernement a signé un protocole d'entente avec les premiers ministres Higgs et Legault pour amener une technologie ici dans cette province. Nous avons les avantages économiques de la technologie nucléaire et en plus, l'industrie nucléaire est responsable de la création de 60 000 emplois directs et indirects dans la province. Des milliers de ces emplois sont des emplois à temps plein dans le corridor d'Oakville. Est-ce que le ministre peut nous dire pourquoi il est si important de continuer à appuyer l'industrie nucléaire en Ontario? Au ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines.
J'aimerais remercier l'excellent député d'Oakville qui a entièrement raison. Sa circonscription est au centre de la technologie nucléaire, Monsieur le Président. Les possibilités sont sans limite. Il y a certaines valeurs du marché qui dépassent $1 milliard et nous pourrons aussi remplacer les usines de combustibles fossiles. Il y a des millions de dollars en possibilités de commerce et d'aider l'industrie minière et des forêts. Il y a aussi le potentiel d'exportation et c'est clé. L'Ontario a choisi ce premier ministre pour mener la technologie de petits réacteurs modulaires et le protocole d'entente avec nos partenaires provinciaux nous confirme que nous avons le potentiel pour avoir plus de $150 millions d'exportation avec de petits modules qui sont créés en Ontario. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. La question complémentaire s'adresse au ministre associé de l'Énergie. De toute évidence, le nucléaire est un élément important de l'approvisionnement énergétique ontarien. Les petits réacteurs modulaires constituent une étape essentielle pour brancher les collectivités éloignées au réseau énergétique et constitue une source fiable d'électricité nous permettant de réaliser nos objectifs en matière de nos objectifs climatiques. Le ministre peut-il nous parler davantage des petits réacteurs modulaires? Le ministre associé de l'Énergie. Je tiens à remercier le député travaillant d'Oakville. Je suis très heureux de parler de l'importance du nucléaire en Ontario. L'industrie nucléaire est un actif stratégique pour le Canada sur la scène mondiale. Les 8 réacteurs à Bruce Power signifient 4 000 emplois à temps plein. Le travail important que font ces travailleurs à tous les jours ajoute des milliards de dollars à l'économie à chaque année. Bruce Power produit une source d'électricité fiable et sécuritaire ainsi que des isotopes médicaux. Et nous avons maintenant l'occasion d'avoir des petits réacteurs modulaires. Voilà pourquoi nous défendons ce secteur qui fait preuve d'innovation à l'échelle mondiale. Question suivante, la députée d'Oshawa. Merci, Monsieur le Président, au Premier ministre. Il y a une grande nouvelle à Durham. L'autoroute 408 est terminée, donc les gens seront en mesure d'accéder aux autres autoroutes, mais ça va être une autoroute à péage. Mais les conservateurs ont promis d'enlever les péages de l'autoroute 412. Et donc, le gouvernement a été élu, mais les péages n'ont pas été éliminés. Est-ce que le gouvernement va enlever les péages des autoroutes 412 et 418? La vice-première ministre. La ministre des Transports. Monsieur le Président, comme le sait la députée d'en face, notre gouvernement a promis de rendre la vie plus abordable aux Ontariens et aux gens de la région de Durham. Les députés de la région de Durham, c'est-à-dire les 4 députés de Durham, c'est-à-dire le président du Conseil du Trésor, le ministre des Finances, le whip en chef du gouvernement et les députés de Durham, travaille très fort pour que les résidents de Durham aient la possibilité de se faire entendre pour ce qui est des péages. Voilà pourquoi notre gouvernement est en train d'étudier l'impact économique des péages à Durham et sur le comportement des automobilistes. Nous avons hâte de voir les résultats de cette étude qui va éclairer nos prochaines mesures. Question complémentaire encore une fois au Premier ministre. Depuis les élections, les chambres du commerce, les municipalités, les étudiants ainsi que moi-même avons tous demandé à ce que ces péages soient enlevés. Mais maintenant, la ministre part de nouvelles études sur les péages sur les autoroutes 408 et 418. D'après moi, la ministre ne veut pas enlever ces péages. En fait, c'est j'avais déposé le projet de loi qui rend toi pour éliminer les péages de ces autoroutes. Et l'autoroute 418 est ouverte
mais cela va coûter cher aux gens de Durham. Les gens de Durham méritent un réseau de transport adéquat. Donc, allez-vous vous engager à enlever les péages des autoroutes 412 et 418, oui ou non? La ministre des Transports. À l'ordre. Monsieur le Président, les députés de la région de Durham sont d'excellents défenseurs de leurs commettants. Et j'aimerais que les gens de Durham sachent que je suis à l'écoute des députés de cette région. Les augmentations des péages faisaient partie du plan des libéraux. Mes excuses à la ministre des Transports. Je dois pouvoir entendre la réponse de la ministre. La ministre des Transports. Les augmentations des péages faisaient partie intégrante du plan libéral et donc ces péages, en raison des libéraux, seront en place pendant 20 ans. Je demande au ministère d'effectuer une étude sur l'impact économique de ces péages. Les gens de Durham peuvent compter sur nous. Nous sommes à l'écoute et nous avons d'excellents défenseurs de la région sous forme des quatre députés de la région de Durham. Question suivante, la députée d'Eglinton-Lawrence. Merci, Monsieur le Président, à la ministre des services gouvernementaux et aux consommateurs. Les dépenses des consommateurs constituent 55 à 60 % du PIB de la province. Les Ontariens ont besoin de meilleure protection en dépensant leur argent durement gagné, que ce soit les achats quotidiens ou les investissements dans l'avenir. Les pratiques de dépenses des consommateurs ont évolué et donc le cadre de protection du consommateur doit être changé afin de refléter les changements de nos jours. La ministre peut-elle nous expliquer les mesures de notre gouvernement pour renforcer la protection du consommateur et nos efforts pour rehausser la confiance des Ontariens? La ministre des services gouvernementaux et aux consommateurs, merci à la députée de Eglinton-Lawrence de votre question. Notre gouvernement sait que le cadre de protection du consommateur ne reflète pas le comportement des consommateurs aujourd'hui. Voilà pourquoi nous avons proposé des changements pour actualiser cette protection à l'échelle provinciale sous forme de la loi sur la confiance des consommateurs. Nous avons proposé une révision de la loi sur la protection du consommateur. Cette loi doit protéger les consommateurs et les entreprises en Ontario. Notre gouvernement entreprendra des consultations sur la protection du consommateur pour tous les Ontariens. Nous devons passer en revue nos lois pour qu'elles reflètent la réalité d'aujourd'hui. Question complémentaire. Je remercie la ministre de sa réponse. La manière dont les gens font des achats aujourd'hui a évolué, et notamment avec l'arrivée de l'Internet. La protection du consommateur permet aux consommateurs de prendre des décisions éclairées. Les Ontariens devraient pouvoir compter sur les protections en vertu de la loi. Les lois doivent donc être actualisées pour qu'elles soient justes et pour qu'elles fournissent la protection dont ont besoin les consommateurs. La ministre peut-elle nous dire davantage sur la loi sur la protection du consommateur et peut-elle nous expliquer le rôle des consultations dans le cadre de ces efforts? La ministre. Je suis très heureuse de parler des consultations. Merci à les députés de cette question très importante. Il est important que les Ontariens sachent que nous prenons très au sérieux cet enjeu. Nous allons faire une révision de la loi sur la protection du consommateur pour la première fois depuis 15 ans. Cette révision est axée sur les consultations avec les acteurs du milieu et avec les consommateurs. Les consultations nous permettront de mettre en place de meilleures protections pour les Ontariens. La loi englobe plusieurs protections du consommateur pour ceux et celles qui voyagent, qui se servent d'ascenseurs, qui se servent de cartes de crédit ou qui achètent des billets de spectacle. Donc, en 2020, nous aimerions avoir l'apport de tout le monde pour façonner ce cadre de protection du consommateur. Notre gouvernement mettra à jour les règlements pour que les entreprises comprennent quelles pratiques sont inacceptables
et pour qu'il y ait des moyens de dissuasion contre les mauvais acteurs dans la province. Merci. Question suivante, la députée de University Rosedale. Merci, Monsieur le Président, au Premier ministre. Chaque semaine, les locataires désespérés me parlent des propriétaires qui augmentent le loyer de manière illégale. Par exemple, Lennon, qui a 72 ans. Il vit à 103 rue Avenue. Il a un régime de retraite de 1 600 par mois et il dépense 1 500 pour son loyer. Il lui reste 100 pour s'alimenter. Il n'a qu'un petit repas par jour. Mais son propriétaire veut augmenter son loyer de 9 %, ce qui est illégal. Leonard est terrifié qu'il se retrouvera dans la rue. Comment le Premier ministre peut-il permettre à ce que des personnes âgées comme Leonard deviennent itinérants? Ministre des Affaires municipales et du Logement. Je remercie la députée de sa question. Si c'est une responsabilité de la Commission des propriétaires et des locataires. Mais j'ai entendu beaucoup de préoccupations de la part des propriétaires et des locataires. C'est quelque chose que nous avons fait dans le cadre de notre plan d'action. On a reçu 2000 soumissions sur les 5 thèmes de la loi sur le parc de logement, y compris les éléments sur le loyer. Nous sommes en train d'examiner l'apport des propriétaires et des locataires. J'ai été en contact avec le procureur général concernant les ressources nécessaires. Et nous aurons davantage à dire au cours de l'année suivante. Nous prenons très au sérieux ces préoccupations. Et donc, je suis toujours heureux d'accepter ce genre de préoccupations des députés. Merci. Le temps pour la période des questions est écoulé. Les travaux de la Chambre reprendront à 15 heures.